Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est le Floustube spécial broderie. Voilà. Alors d'abord une petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi c'est Edith, qu'on me connaît mieux sous le pseudo de Didith. C'est pour ça que ça c'est Fifi. Tous mes réseaux sociaux s'appellent l'atelier de Didith. Donc vous me retrouvez sous ce nom sur Facebook, sur Twitter, sur Pinterest, sur Instagram, voilà, partout. Sur YouTube, bien sûr. Et là, c'est Fifi. Voilà. Bien connue aussi sur YouTube. Alors aujourd'hui donc c'est la broderie, donc je fais également donc de la broderie, je fais du tricot, je fais du crochet et bien d'autres loisirs, du diamond painting, du coloriage, qu'est-ce que je fais encore, je fais plein de choses, de la carterie, du scrap, voilà, plein de choses. Il y a des choses que j'ai arrêté de faire, bon, comme le cartonnage, pour l'instant je n'en fais plus. Voilà. Mais si vous regardez sur mon Instagram et sur YouTube, vous verrez toutes les activités que je peux faire en loisir créatif. Alors aujourd'hui, donc, on va parler de broderie, donc des achats. Là, on va commencer par les achats. On va parler de broderie terminée et encadrée, des broderies en cours. Voilà, il y en a qui sont encore en cours depuis le dernier Floustube. Il y en a qui sont commencées depuis pas longtemps. Puis voilà. Alors, on va commencer d'abord par les achats. Et dans les achats, il y en a un que j'ai reçu aujourd'hui, voilà, qui vient de la boutique Poussière d'Étoiles. Donc, c'est Poussière D-D-E-S, Toile, T-O-I-L-E-S. Voilà, je vous remarque ici en bas. Donc, c'est la boutique de Sabine Chauvet. Je vous en parle régulièrement maintenant de cette boutique. J'aime beaucoup cette boutique. On peut y retrouver des grilles de broderie, on peut y retrouver des aimants, des aimants pour les aiguilles, on y trouve aussi des cartes, de la papeterie, du fil qu'elle teint elle-même. Voilà, plein de choses aussi dans sa boutique. Et tout de suite, je vous dis, donc si jamais vous allez faire un tour dans sa boutique et vous avez envie de commander, elle vous offre un code promo, voilà, de 10% sur votre commande. Et le code promo est très simple à retenir, c'est Didith2022, voilà. Donc je vous le remarque là et je vous le remarque en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à utiliser ce code promo, vous aurez droit à 10% sur votre commande. Voilà. Alors, Sabine fête cette année les 11 ans d'ouverture de sa boutique. Voilà. Donc je lui ai déjà dit, mais je la félicite encore pour cet anniversaire. Et pour cet anniversaire, elle a sorti une nouvelle box broderie que donc je me suis dépêchée de commander et que j'ai reçue aujourd'hui. Donc ça a mis deux, trois jours, parce qu'il y a eu le week-end, je crois, entre deux, je ne sais plus, que j'ai reçu donc aujourd'hui. Et j'ai passé une petite commande en plus. Alors, je vais d'abord vous montrer la petite commande que j'ai passée en plus. Voilà, dans le petit sachet, bon, c'est déjà une enveloppe, hein, mais l'enveloppe, je l'ai enlevée, bien sûr. Alors, c'est toujours très bien emballé.
C'est toujours fait avec soin et tout, il y a aucun problème. Alors, bon, là, vous allez voir à l'envers, mais ça, c'est sa petite carte, voilà, qu'elle met toujours avec les petites commandes. Avec les commandes, elle nous offre toujours un petit sachet de thé. Voilà. Donc, c'est toujours appréciable. On a toujours des petits mots pour nous remercier des commandes, voilà. Et ici, elle nous a rajouté un petit papier parce qu'on peut la retrouver sur Patreon, voilà. Donc Patreon, c'est un site. Alors, comment je peux expliquer? Oui, c'est une plateforme qui propose des abonnements mensuels pour suivre vos créateurs préférés. Alors, elle a ouvert le sien pour proposer deux sortes d'abonnements, un pour la broderie et un pour la papeterie. Voilà, pour recevoir une fois par mois une pochette surprise exclusive, article en avant-première non proposé sur sa boutique. À partir de 5 euros. Et donc, comme elle marque, si l'aventure vous tente, c'est par ici. Donc, elle a mis l'adresse de son Patreon. Je vous remettrai l'adresse en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller voir. Et si jamais ça vous intéresse de vous inscrire à son abonnement Patreon, vous pourrez le faire. Alors, c'est des abonnements que l'on paye tous les mois, mais que l'on peut arrêter quand on veut. On n'est pas tenu de payer tous les mois. Alors, j'ai commandé, moi, en plus de la box, du fil teinté. Donc, c'est du fil teinté main qu'elle fait elle-même. Alors, le premier, c'est le cupcake. Voilà, celui-ci. Il y a du bleu, du jaune, du beige rosé dedans. Très joli, avec des couleurs très tendres. Donc celui-là, c'est le cupcake. Et le deuxième que j'ai pris, c'est le fil Adélie. Voilà. Alors là, il y a du rose, du beige avec des petites touches de rose dedans. Et pareil, très très joli. Voilà, donc j'avais pris ces deux fils-là. Et j'ai pris. Donc, dans le petit sachet, bien emballé également, avec les jolis petits stickers en forme de rose. Un aimant à aiguille, voilà. La petite tasse à thé. Voilà, on voit le petit sachet de thé ici. Elle est toute jolie. Donc, vous avez l'aimant hein, derrière. Donc, ça, ces aimants-là, vous avez juste à l'aimant qui est là, vous le mettez en dessous de votre toile et ça au-dessus. Voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à poser vos aiguilles pendant que vous brodez. Si vous avez besoin de poser votre aiguille, vous la posez dessus et comme ça, vous ne perdez pas votre aiguille. Voilà. Donc, j'ai déjà plusieurs aimants aiguilles de chez elle. Je les adore beaucoup, je les aime beaucoup. Donc, elle met toujours un petit mot aussi pour les aimants aiguilles pour expliquer comment on doit se servir des aimants. Alors ça, c'était ma petite commande. En plus,
de la boxe. Pour la boxe, la voici. Bon, c'est écrit à l'envers comme d'hab. Alors, c'est la boxe broderie de juillet. Le thème étoile lune. Alors, dedans, il y a une fiche broderie, un fil teinté main, un aimant aiguille, une toile à broder teintée main et un accessoire de broderie. Surprise créée spécialement pour l'occasion, le tout inédit et fabrication artisanale. Voilà. Donc, sur un joli papier avec la lune, les étoiles. Donc, toujours un joli stickers sur son petit sac. Non, il n'y a plus rien. Alors, des petits papiers. Bon, là, elle a remis le papier pour le Patreon. Le petit papier pour remercier la commande. Ici, elle a mis un petit papier pour expliquer pour la toile teintée. Alors, où elle dit qu'il est préférable de ne pas laver la toile, mais si toutefois vous voulez la laver, pensez à utiliser une lingette décolor stop et de préférence à froid. Les toiles peuvent être déformées, ceci est dû à l'eau bouillante durant la teinture et l'essorage. Merci d'avoir choisi mes créations, bonne petite croix, au plaisir, poussière d'étoile. Voilà. Donc ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle donne les explications pour tout ce qu'on achète, pour que l'on puisse s'en servir au mieux, voilà, sans faire de bêtises. Alors, on a notre petit sachet de thé, comme toujours. Vous allez retrouver dans votre box sa petite carte et alors, dans cette box, vous allez retrouver un fil teinté à la main, voilà, donc qui s'appelle Lune, puisque le thème est sur la lune, les étoiles, voilà, un peu vert, rose, un peu, c'est un rouge orangé, voilà. Vraiment très joli. Ensuite, la toile. Alors, je la trouve très, très belle. Alors, moi, on avait le choix pour la toile. Cette fois, elle nous fait choisir si on veut de l'Aïda ou de l'étamine. Et donc, moi, j'ai choisi l'étamine. Et donc, voilà. Avec plein d'étoiles, jolies étoiles roses. Alors la toile mesure, je vais vous dire ça. Trente-six à peu près sur 25. Voilà. Ouais. Voilà, donc moi c'est une étamine 12 fils, si je ne me trompe pas. Yeah. J'adore l'étamine. C'est ce que je préfère. Bien sûr, dans le petit sachet, vous devinez ce qu'on a. Bien emballé dans un petit papier. Ouais. Joli aimant en forme de lune. Il est super beau. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est vraiment très, très beau.
Et l'accessoire de broderie, alors c'est une étoile comme ça, avec une petite lune au milieu, pour trier notre fil. Voilà, avec les petits trous qui sont là. C'est un trieur de fil en bois, vous voyez. Vraiment super. J'adore l'originalité de ce trieur. Vraiment super beau. Et pour terminer donc cette box, bien sûr, on a le petit carnet. Donc, vous voyez. Voilà la grille que l'on aura brodée. Donc, c'est une lune. Oh, ça y est, c'est Géry qui tousse. Oula, oula. Oh, mais il tousse, mon pépère. Donc voilà, donc c'est une lune avec des roses sur le côté et un texte, alors des rêves plein la tête, des étoiles plein les yeux. Voilà. Alors c'est une grille, alors ça s'appelle lune rose. Ça fait 180 sur 160 points. Est-ce que ça nous dit la taille? La taille de la grille? Non, mais je vais vous le marquer. Je vais vous remarquer la taille de la grille à peu près que ça pourrait vous faire. Enfin, la taille de la grille, non, pas la grille, mais de la toile. Voilà. Donc derrière, vous retrouvez la liste des fils que vous aurez besoin. Donc il en faut. Il y a combien de couleurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18. Il y a 27 couleurs. Voilà, 27 couleurs en tout. Et je trouve vraiment très très belle. Alors la grille est en noir et blanc à l'intérieur. Bon, je ne vous la montre pas, hein, bien sûr, mais faites-moi confiance. Donc c'est super bien imprimé, il n'y a aucun problème. On voit très très bien les symboles, il n'y a aucun souci. Mais bien sûr, vous comprenez que je ne peux pas vous montrer la grille là en direct sur l'écran. Elle donne des petites explications derrière, donc il faut prévoir une marge de 10 cm. Qu'il faut surfiler sa toile sur 1 cm, qu'il faut plier sa toile en 4 pour trouver le centre, voilà, etc. Donc elle explique vraiment bien tout, comme ça au moins pour les débutantes, tout est bien expliqué également. Donc voilà. Et vous pouvez voir donc que l'aimant à aiguille, eh bien c'est exactement la même chose que la grille que l'on doit broder. Voilà. Donc je regarderai si la toile que l'on a eue dans le kit, si elle va suffire justement pour broder cette broderie, parce que là ça ferait super beau, je trouve. Mais je vais vous remarquer en bas de l'écran. Et je vous confirmerai pareil en vous écrivant en bas de l'écran si du coup ça je pourrais le broder sur cette toile-là. Mais je pense que oui. Donc voilà pour la box. Donc c'était mes petits achats que j'ai fait chez Poussière d'Étoile. Je vais pas faire de bruit. Voilà. Je vais tout vous remettre. Je mets juste comme ça dans le sac, c'est pour pas que ça tombe. Je vous remettrai tout en barre d'infos, le lien pour avoir la box. Alors, la box est en quantité limitée. Donc, si vous la voulez, je vais vous mettre le lien. Faites très vite pour aller la commander parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, malheureusement.
Les box sont toujours limitées et donc faites très très vite. Donc voilà. Sinon, j'ai pas fait de. Si, j'ai fait d'autres achats. Qu'est-ce que je dis? Alors, j'avais acheté aussi à une hiver broderie. Je m'étais fait mon petit plein d'aiguilles. Alors. Je m'étais racheté mes aiguilles préférées pour broder. Alors là, vous voyez, j'en ai déjà utilisé. Non, mais c'est un paquet de 4. Alors, c'est des aiguilles DMC or. Alors, elles sont pas en pur or, bien sûr, mais elles sont en plaqué or. Elles sont réellement en plaqué or. C'est des aiguilles, alors 24. Numéro 24, oui, c'est ça. Alors, numéro. Non, numéro 1, 3 et 5. Voilà. Alors, moi, j'aime beaucoup, beaucoup ces aiguilles. Bon, c'est des aiguilles pointues. Mais moi, je brode principalement qu'avec du pointu, même la broderie. C'est une habitude que j'ai comme ça. Mais ces aiguilles-là vont vraiment très, très bien. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir là, mais elles sont donc dorées, mais elles sont en plaqué or. J'avais ici repris un paquet d'aiguilles pour faire la broderie au ruban, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais eu une broderie au ruban et donc il faut que je la fasse et je n'avais pas l'aiguille pour ça. Donc, je me suis repris un paquet d'aiguilles pour la broderie en ruban. Il y en a 3 dedans, c'est des bohuns. C'est du 18 au 22. Voilà. Ici, des DMC pour broder les perles. Parce que bon, j'ai des broderies où je vais devoir broder des perles. Vous les avez vues aussi dans mes unboxings. Et donc voilà, alors ça c'est très très fin comme aiguille, vous voyez. Et là, vous brodez spécialement les perles avec. Et donc elle a des longues et des moins longues. Donc la taille, c'est des numéros 10 et numéro 12. Voilà. Et donc c'est des DMC. Et j'avais acheté. Normalement, j'en avais un autre paquet. Oui, voilà, celle-là. Et j'ai repris aussi des bohuns, mais là, c'est des tapisseries sans pointe. Voilà. Parce que j'ai des tapisseries DMC que j'avais rachetées d'occasion à une personne. Ça fait bien plus d'un an maintenant, si c'est pas plus. Et je les ai toujours pas faites. Surtout parce que je n'avais pas d'aiguille. Donc j'ai mes aiguilles maintenant, je pourrais les faire et bon, je crois que c'était tout en aiguille. Oui, c'est tout ce que j'avais fait. Donc là, par contre, ce ne sont pas des pointues, hein, ce sont des bourreaux pour la tapisserie. Donc voilà dans ma petite boîte. Non, ça, vous l'aviez vu. Et j'ai mis ma tablette là. Là, je vais vous les montrer sur la tablette parce que ce ne sont pas des grilles sur papier. J'ai acheté 4 grilles de broderie. Alors, j'espère que je vais réussir à vous les montrer. Non, c'est pas comme ça que je veux. Voilà. Alors, c'est de Annick Abrial. Voilà. Alors là, c'est le colibri. Voilà. Celle-ci, la première.
toute jolie. Alors, celle-ci, c'est une 144 par 188 points. Donc, je vais vous dire le nombre de couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40, ben, il y a 40 couleurs. Voilà. Il y a 40 couleurs. Donc, sur une toile 7,5, sur une toile 7 en Aïda, par exemple, ça vous fait une broderie de 20,5 sur 26,8 cm. Voilà. Et sur une étamine de 12 fils, par exemple, moi, c'est ce que je fais le plus souvent. C'est sur du 12 fils ou 12 fils, 6. Bon, c'est à peu près pareil, hein. Ça vous fait du 24 cm sur 31,3. Voilà. Alors, les grilles que je vous montre là, je vous mettrai pareil en barre d'infos. Et je vous mettrai également un lien de parrainage. Ça vous permettra d'avoir 10% sur votre commande. Voilà, si vous voulez commander sur le site d'Annick Abrial. Alors, je vais vous montrer une petite chose. J'espère que vous allez voir. Ça, c'est la deuxième grille. Alors, attendez. Voilà, ça, c'est la deuxième grille. Et j'essaie de tenir. Voyez ici en gris, à travers la, voilà, en surbrillance. Quand vous commandez chez Annick Abrial, bon, vous pouvez choisir soit en support papier ou alors en PDF, comme moi j'ai fait. Et donc, quand c'est en PDF, vous le recevez 24 heures après, parce que elle vous fait... Elle vous l'envoie à votre nom personnel. Et c'est ça qui est noté. Donc là, c'est mon nom sur le PDF. Il y a mon nom et mon adresse email sur le PDF. Voilà. C'est juste... Voilà. Et vous devez... vous le téléchargez avec... Elle vous envoie donc un email avec les liens pour les télécharger. Et dans ce lien qu'elle vous envoie, vous avez également un mot de passe pour pouvoir le télécharger. Voilà. Ça, c'est juste pour qu'il n'y ait pas de copie. Vous savez que qu'on ne copie pas ces grilles. Voilà. C'est tout, moi, je trouve ça tout à fait normal. Très bien, même. Au moins... on n'ira pas passer la grille à la copine ou voilà. C'est une créatrice, donc c'est normal qu'elle travaille pour avoir ses grilles. Elle les vend. Donc, je trouve tout à fait normal que les grilles ne soient pas copiées à droite, à gauche par d'autres personnes qui les prennent gratuitement. Voilà. Donc là, bon, c'est vrai que c'est la première fois que je vois avec un code, mais c'est peut-être pas la seule hein, qui le fait. Mais voilà, donc dans l'email que vous allez recevoir, vous aurez un mot de passe pour pouvoir ouvrir votre PDF. Voilà, mais c'est tout, vous mettez votre mot de passe et vous ouvrez votre PDF, c'est tout, vous l'enregistrez sur votre ordinateur et après, il n'y a aucun souci. Voilà. Et sur le PDF, donc, il y a votre nom et votre adresse email en travers, mais qui ne gêne, alors, attendez, hop, qui ne gêne pas ni au niveau de la grille. Bon, je ne vais pas vous montrer sur la grille, bien sûr. Qui ne gêne pas la lecture de la grille, puisque c'est vraiment très léger. Hein. Voilà. Et en PDF, vous pouvez choisir PDF couleur ou PDF noir et blanc. Voilà, vous avez le choix. Et aussi en formule papier, je crois que vous avez le choix aussi. Mais ça, je ne sais plus vraiment. Voilà. Alors, ça, c'est la deuxième. Donc, celle-là, c'était, ça s'appelle « Il était une fois l'été ».
Elle mesure 154 sur 155 et il y a, je crois, non, il y a un peu moins de couleurs, je pense, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non, c'est pareil, il y a une quarantaine de couleurs. Et niveau toile, alors ça va vous faire en étamine 12 fils, 25,6 sur 25,8. Et en Aïda 7, 22 sur 22,1. Voilà. Mais vous avez la taille pour d'autres toiles, hein, mais je vous donne vraiment les deux principales pour vous faire une idée. Et donc sur ces toiles, elle marque aussi son copyright, bien sûr, hein, donc droit d'auteur, copyright. Et j'aime bien, c'est parce qu'elle met. Alors attendez. Là, ici, vous voyez, le Made in France. Voilà, ça j'aime bien aussi. Ensuite, la quatrième. En tout, j'en avais pris quatre. Alors, je me suis trompée pour l'ouvrir. Voilà. Alors là, il était une fois le printemps. Voilà. Elles sont vraiment très jolies. Hein. Alors, celle-là, c'est 156 par 157, donc c'est la même chose. Et le nombre de couleurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 et 7, 14, 14, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 couleurs. Et pour la toile, en étamine 12 fils, 26 sur 26,1 et en Aïda 7, 22,2 sur 22,4. Voilà. Et la dernière, je ne les ai pas toutes prises, puisque là j'avais pris l'été, alors j'ai pris l'été, le printemps et. Là, je crois que c'est l'hiver. Ouais, l'hiver. Donc, il me manque l'automne. Et je crois qu'elle a fait aussi Noël. Alors, voilà l'hiver. Voilà pour l'hiver. Très joli aussi. Donc, c'est un 156 par 158. Et le nombre de couleurs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 et 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 couleurs. Et pour la taille, ben c'est pareil, étamine 12 fils, 26 sur 26, 3. Et l'Aïda 7, 22,2 sur 22, 5. Voilà. Voilà, elle conseille des toiles également hein, pour elle dit les toiles conseillées pour ce modèle, c'est l'Aïda, le lin ou l'étamine de Zegar Light Mocha, référence 309. Moi, c'est ça, c'est souvent celle-là, cette dernière que j'utilise justement. Donc voilà. Pour les toiles que j'ai achetées donc de Annick Abrial. C'est déjà pas mal. Quand j'aurai brodé tout ça, ben il y aura une paire d'hiver de passé, je pense. Alors, pour ça, c'est bon. Et là, en achat, bah, je crois que je vous ai tout montré. Oui. Alors, je vous fais une petite aparté sur la vidéo, puisque les deux qui sont terminés sont au mur. Donc,
Je stoppe 2 minutes la vidéo et je vous montre les vidéos, les toiles qui sont au mur. Voilà, alors ici c'est la broderie que j'ai finie. Oh, je vous remets le flash. Donc de poussière d'étoile, c'était le petit renard. Vous voyez? Donc que j'ai encadré avec un cadre de chez Action. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Je vous mettrai le lien. Voilà. Et ici, donc c'est la broderie que ma belle-fille a fait, mais que moi j'ai encadrée. Je vous remets le nom de la boutique où je l'ai eue en bas de l'écran. Hein. Voilà, donc ça, ce sont les deux broderies qui ont été finies. Celle-là, pas par moi, mais bon, c'est une broderie finie quand même, mais encadrée par moi. Donc voilà, vous avez pu voir les deux toiles terminées. Donc une que j'ai finie, donc qui est justement, donc, comme je vous ai dit, de Sabine Chauvet, donc de poussière d'étoile. Pareil, je vais vous remettre le lien si jamais cette toile vous plaît. Et donc elle est toujours dans sa boutique, hein, vous pouvez toujours la retrouver. Vous pouvez également l'acheter avec le code promo que je vous avais donné tout à l'heure, donc DIDIT 2022. La deuxième toile, alors comme je vous ai dit, là c'était pas moi qui l'avais brodée, c'était ma belle-fille, mais c'est. Elle me demande de temps en temps des toiles parce que moi j'en reçois beaucoup. Donc elle me demande de temps en temps des toiles à broder. Comme ça, ben, quand les enfants sont à l'école, elle passe un petit peu son temps entre deux pour se vider un peu la tête. C'est vrai que de temps en temps, il faut, avec 3 enfants à la maison, de temps en temps, il faut changer un peu. Surtout que moi, mes petits-enfants ne sont pas encore des très grands. Hein. La plus grande a 14 ans, la plus petite a 9 ans. Donc, de temps en temps, ça fait du bien à ma belle-fille de changer un peu d'univers. Alors, l'encadrement, c'est moi qui l'avais fait, bien sûr. Là, d'ailleurs, elle est en train de rebroder. Ben là, c'est une toile que moi, je lui avais offerte. C'est avec un Bouddha. Je vous montrerai quand elle l'aura terminée. Donc voilà, ça c'est pour les toiles terminées. Donc moi j'en ai pas fini beaucoup, vous voyez. En ce moment, alors, je suis toujours, et c'est normal puisque c'est un sâle. Et donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un sâle, c'est un. Alors, je ne sais jamais dire le mot en entier, je vous le remarque là. C'est un ouvrage que l'on fait ensemble. Donc, on est à plusieurs à broder le même ouvrage en même temps, chacun chez soi. Voilà. Et étape par étape. Donc, ici, moi, le sale que j'organise, c'est un peu spécial si on veut. C'est que c'est une broderie que j'ai créée moi-même. Le dessin, je l'ai fait moi-même. Et donc, j'avais dessiné déjà il y a quelques années, et même moi, je ne l'avais pas encore brodé. Donc, là, j'avais dit, ben, je vais en faire un sale, comme ça, au moins, ben, je pourrais le broder, même moi. Et je vous remets, ben, là l'image de la broderie, l'image de la broderie, mais pas de la grille bien sûr, mais du dessin.
Donc c'était une grille qu'on va faire en 6 étapes, que l'on fait en 6 étapes. Là, ben, aujourd'hui, justement, je viens de donner la 4e étape aux filles. On n'est pas beaucoup à le faire, hein, on est une douzaine. Mais bon, c'est déjà pas mal. On est une douzaine à le broder. Et là, normalement, je donne les étapes pour 1 mois. Et ici, comme c'est, on tombe sur juillet et août, c'est les vacances, donc là, elles ont une étape, ben, pour 2 mois. Comme elles vont, certaines d'entre elles vont partir en vacances, tout ça. Donc j'ai donné l'étape, mais j'ai dit là, vous avez 2 mois pour le faire. Voilà, on court. De toute façon, moi, le sale, là, on ne court pas. Parce que j'aime pas les salles où on vous oblige, qu'on vous dit, allez, hop, ça y est, on est le 30 du mois, il faut que vous ayez fini, c'est bon. J'ai vu aussi, je sais plus où, un salle, que si vous n'avez pas fini votre étape, bon, on ne vous donne pas la suite. Ouais, d'accord, mais bon, moi, un truc comme ça ne me donne pas envie de le faire. Ça ne me donne pas du tout envie de le faire. On n'est pas à l'armée, on n'est pas à l'école. On fait ça, c'est pour s'amuser, voilà, pour passer du bon temps. Donc, si c'est pour être là, allez, 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 il faut broder, il faut broder. Non. Bon, malgré que c'est moi qui l'organise, hein, ici, et justement, comme c'est moi qui l'organise, là, les filles, bon, on est sur 12, on doit être la moitié en retard. Et bon, ça fait deux fois que je leur dis, bon, vous en êtes où? Est-ce que vous voulez que je vous rajoute 15 jours? Les filles me disent, ouais, allez, on veut bien 15 jours de plus. Là, je leur rajoute 15 jours. Ici, pour les vacances, j'aurais dit, ben, au lieu d'un mois, je vous donne 2 mois, parce que je sais que c'est les vacances, vous avez autre chose à faire que de broder, voilà. Donc, on fait le sale, mais on le fait à la cool. Voilà. Pas de pression, rien. Là, on arrive à la 4e étape. Tu es encore en train de broder la 1ère étape, mais ça fait rien. Pas de problème. Moi, je t'ai envoyé les étapes, tu les fais comme tu peux. Voilà. D'ailleurs, moi, je ne suis qu'à la 2e étape, hein, je vous dirai. C'est bien le cordonnier le plus mal chaussé, comme on dit. Allez, je vous montre où j'en suis. Voilà. Alors, voilà où j'en suis. Alors, ma 2e étape est là, ici. Il me reste à finir sur cette 2e étape ici, la frise en haut, et j'aurai terminé ma 2e étape. Voilà. Et après, je pourrai commencer donc la 3e qui sera ici. Et là, je leur ai donné la 4e, donc c'est en bas, c'est la 4e à droite. Attendez, à droite, ouais. Donc ce sera ici, la 4e ici. Voilà, donc là il en reste plus que 3, donc une. Attendez, je me plie, ça ira mieux. Il reste plus que une là et une là à faire. Voilà. Donc, vous voyez. Alors, je ne me rappelle plus de la taille de ma toile. Quand je vous le dis qu'on le fait à la cool, ma toile, alors elle fait. Ouais, 60. 60 sur 60 environ. Voilà, 60 cm sur 60 cm environ. Bon, là, moi, c'est de l'Aïda, hein, là. C'est une Aïda 7. C'est de la. Oh, je ne sais plus laquelle que c'est. Si je retrouve le nom, je vous le marque. Vous voyez, c'est de la marbrée. Voilà, comme ça. C'est de la vintage, je sais, crème,
Mais le nom exact, je ne sais plus. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai même quelqu'un qui est arrivé en cours de route hein, pour faire le sale. Donc même ça ne m'a pas gêné, hein, vous voyez. S'il y a encore des gens qui veulent venir, ils peuvent. Hein, il n'y a pas de. Même si on veut encore s'inscrire maintenant pour venir faire le sale, bah oui, bah venez, il n'y a aucun problème. Moi, vous pouvez venir le faire en cours de route, il n'y a aucun souci. De toute façon, il se fait en 6 étapes. Et puis après, vous le faites à votre rythme. Vraiment à votre rythme. Voilà. Et encore, il y a pareil, la toile n'est pas imposée, bien sûr. Les couleurs ne sont pas imposées, puisque là, sur les 12, bon, y en a, on est à 2 ou 3 à faire en rouge. Après, il y en a qui font en bleu, il y en a qui font en vert, il y en a qui font en dégradé. Donc, justement, c'est super parce que je vois ma toile, ma grille plutôt, mon dessin se transformer dans toutes les couleurs possibles. Et ça me fait vraiment super plaisir. Quand vous voyez votre propre dessin se transformer sur les toiles comme ça, avec les aiguilles et puis des fils différents, c'est vraiment superbe. J'ai plusieurs grilles hein, comme ça que moi j'ai dessinées. Donc j'ai d'autres salles que je vais faire avec mes propres grilles. Donc vous pourrez toujours venir vous inscrire pour celui-là ou pour les suivants si vous le souhaitez par la suite. Voilà. Là, on fait le suivi de toute façon sur mon groupe de Facebook. Donc vous avez le lien en barre d'infos. C'est mon groupe de broderie. C'est tricot, broderie, crochet, couture. Ça s'appelle À vos aiguilles. Donc pareil, si vous voulez venir nous rejoindre, il n'y a aucun problème. Et si vous voulez venir faire le sale alors qu'il est déjà commencé, venez. Venez, 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 il n'y a aucun problème. Voilà. Nous, c'est cool. Alors, ça c'était. Donc, ah oui, je ne vous ai pas donné le nom de mon salle, oui, de ma broderie. C'est le sampler des brodeuses. Voilà. Je n'ai jamais dit si on dit sampler, sampler, sampler. Enfin, vous avez compris. Ensuite, alors un que je n'ai pas beaucoup avancé, mais alors pas du tout, mon achat ED. J'ai honte. J'ai pour ainsi dire pas avancé. Faut que je me mette dessus. Faut que je m'y mette. Mais alors vous voyez, là, je commence à ne plus faire mes fils en parking. Parce qu'en fin de compte, ça me prend chaud les fils en parking. Ça m'énerve, vous voyez. Là, j'en ai encore, parce que bon, ceux-là, je les ai pas. Il faut que je les termine. Mais en fin de compte, ça m'énerve les fils de garder les fils en parking. Ça se mélange, ça. Non. Je croyais que ça m'aurait plu de faire cette méthode-là, la méthode parking, mais non, ça m'énerve plus qu'autre chose. Donc là, c'est pour ça, vous voyez, là, j'avais commencé et ça fait que j'ai continué mon fil jusqu'au temps que le fil, qu'il n'y ait plus rien dessus, que je fasse mon nœud, enfin mon nœud que je fasse derrière, que j'arrête mon fil. Parce que là, comme ça, les fils, la méthode parking, en fin de compte, non, j'y arrive pas. Enfin, si, j'y arrive, mais ça m'énerve, ça se mélange, ça. Donc, je vais faire comme à ma méthode, et puis ça ira très bien. Voilà.
Donc là, j'ai pas beaucoup avancé. Donc celui-là, c'est pour vous rappeler, je vais vous remontrer le dessin pour celles qui ne sauraient pas, qui n'auraient pas suivi l'histoire. non, si je vous montre la grille, c'est pas la peine. Voilà. Hop, 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 je ne vais pas tomber ma tablette. Voilà, c'est ça. Attendez. Allez, voilà. Ce joli perroquet. Voilà, c'est celui-là. Alors, la taille est très grande. Je ne sais plus vous dire la mesure, mais c'est très très grand. Je vous remarquerai la taille en bas de l'écran. C'est vraiment très grand. Je l'ai pas là, non. Non, c'est pas marqué là. Donc j'ai 90 couleurs. Ouais, j'ai 90 couleurs, mais bon. Donc mes couleurs sont là, sont toutes là. Une valisette pour mes couleurs. Mais bon, il faut que j'avance dessus. Alors, c'est vrai que, bon, comme, comme ma belle-fille m'a dit, elle m'a dit, tu devrais faire une broderie, la faire, la finir. Et puis après, quand tu as fini, tu en reprends une. Oui. Mais bon, celle-ci, le problème, c'est que si je fais ça avec celle-ci, là, j'en ai pour 2 ans, hein, celle-là. Donc, je ne risque pas de refaire une autre broderie avant un long moment. Donc, sur celle-là, bon, mais c'est vrai que sur les petites broderies, enfin les broderies de taille normale, c'est vrai que je devrais faire ça. Parce que là, j'en ai quand même plusieurs de commencer. Bon, je suis pas la seule, hein. Vous connaissez le truc, hein. On en commence une, on en commence deux, on en commence trois. C'est pareil avec les tricots. Mais voilà. Mais celle-là, bon, ouais, là j'en ai au moins pour 2 ans pour le faire. Hein. Vous voyez, j'ai toute ma toile est enroulée. Je vais vous remarquer la taille exacte. Donc celle-là, ben, elle avance comme une tortue. Encore, il y en a d'autres que je voudrais faire, hein, je vous les avais déjà montrés. Il y en a une que j'adorerais faire, c'est celle-là. Alors, voilà, celle-ci. J'adorerais la faire, mais c'est pareil, elle est encore plus grande. Elle est encore plus grande, mais niveau couleur, il y en a moins. Je crois que c'est 36 couleurs, je crois, seulement. Il n'y a que 36 couleurs, mais avec 120 échevettes. Hein. mais la toile est encore plus grande. Mais bon. Mais je ne sais pas pourquoi, je craque sur ce modèle. Pourquoi j'en sais rien. J'adore ce modèle. Pourtant, je sais pas. Alors, j'avais regardé l'autre jour, je pensais que c'était une toile de Léonard de Vinci, mais non. C'est pas de Léonard de Vinci, c'est de. Donc, c'est marqué justement, je croyais. Je connaissais pas son nom, donc c'est Albrecht Dürer. Et je connaissais pas ce nom et je pensais ce nom ne disait rien du tout. Donc dans ma tête c'était Léonard de Vinci. Et non, c'est pas ça. Mais je sais pas pourquoi j'adore ce dessin. J'aimerais le faire sur ma broderie, mais non, j'ai dit 36 couleurs, non, c'est 31, excusez-moi, c'est 31 couleurs.
Voilà, mais bon. Un jour, peut-être. Mais pourquoi je veux faire celle-là, j'en sais rien. J'aime bien. Voilà. Ensuite, alors bon, celle-là, il n'y a rien de neuf. J'ai pas touché depuis le dernier fausse tube. Là, c'est une estampe en estampé, en estampé, en. Comment on dit? Bon, enfin, vous aurez compris. C'est une imprimée, voilà. Donc celle-là, je n'ai pas touché du tout depuis la dernière fois. Alors, je vous montre derrière, voyez, voilà ce qui est fait. Il reste encore pas mal à faire. Donc celle-là, j'ai pas. J'ai rien. Ben, j'ai rien fait depuis la dernière fois. Ouais, que je m'y mette aussi. Donc celle-là, c'est une Just Sunday. Sunday. Just Sunday. Ouais. Donc celle-là, ben, j'ai rien fait. Celle-là, vous l'avez vue au mur, hein, c'est mon petit Renat. Ah, bah, j'ai peut-être marqué la mesure de la toile. Oui, vous savez, le perroquet. Alors. Ouais, voilà. Alors, normalement, c'est celui-là. 93. 93 cm, si je ne me trompe pas, sur 58. Voilà. Ça va être facile à encadrer, hein. Ouais, youpi. Ah, tiens, il y avait longtemps. Donc voilà. Ouais, donc quand le jour où elle sera finie. Mon achat AUD sera fini, ben, ce jour-là pour l'encadrer. Celle-ci, c'est pareil. Depuis l'autre jour, j'ai pas refait de croix. Alors, là, c'est la. Là, j'exagère quand même. Je vous assure que j'exagère parce qu'elle est presque finie. Donc, mais maintenant que mon renard est fini, je vais la laisser sortie, puis je vais la finir. Vous voyez celle-ci. Il ne me reste pas grand-chose, hein, vous voyez. Là, il me reste là à faire. Alors celle-ci, par contre, il y a une erreur que j'ai laissée parce que je n'avais pas envie de tout démonter. Sinon, il aurait fallu que je démonte beaucoup, beaucoup. Il y a un décalage. Y a là. Je ne sais plus si je vous l'ai dit l'autre jour. Viens là, toi. J'ai un décalage. Ça ne veut pas tenir. Non, ça ne veut pas tenir, bien sûr. Alors. Là, en bas. Ici, en bas. Vous voyez? Alors, vous voyez les pieds de la petite fille. Et le marron. Normalement, le marron doit venir à ras des pieds de la petite fille, en bas. Il doit même vraiment en bas. Et là, le marron est au-dessus du pied de la petite fille. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, il a fallu que j'en décale tout. Je démonte tout le marron pour tout descendre. J'ai eu de la crotte. Je fais non, pas question. Il n'est pas question que je démonte tout ça. Donc je m'en arrange. De toute façon, j'ai mon aiguille qui se fait la malle. Je vais m'en arranger. Je vais d'abord finir. Je vais voir si ça choque ou pas. Si je vois que ça gêne un petit peu, je vais faire un trait. Vous savez, un trait de croix qui part du pied de la petite fille. Et puis je remonterai un petit peu pour faire un.
je ferai un petit oui, là, un petit. Puis voilà, ça se verra pas. Alors, ça, c'est une broderie de Isabelle Vautier. Accord Vautier, voilà. C'est la collection Bebop Lola, Laisse parler ton cœur. Voilà. Donc, voyez, alors là, on voit bien, vous voyez, le pied de la petite fille et les lettres, tout est aligné. Là, tout est aligné. Avec moi, ça, c'est plus un petit peu plus haut. Que le pied de la petite fille. Tant pis. Ah oui, non, j'ai pas envie de démonter. Ce sera ma petite marque. De toute façon, dans toutes mes broderies, il y a le petit truc qui va pas et que je ne démonte jamais parce que. Donc voilà. Donc celle-là, je vais essayer de la finir rapidement. Je vais la laisser sortie devant moi pour la finir cette semaine ou tout au moins dans les 15 jours qui arrivent là, pour voilà, ça me fera une broderie de fini. Bon, il y a le sale que j'avais commencé il y a 2 ans qui est toujours pas fini. Celui-là, je ne sais pas si je finirai un jour, hein, parce qu'il est tellement grand. Et pourtant, la dernière box de poussière d'étoiles, j'avais eu cette grille-là. Voilà. Et ben, je l'ai démarrée, hein. Voilà. Bon, je l'ai un petit peu démarrée. Mais bon, j'ai déjà une petite erreur là. Donc, il faut que je démonte mes 4-5 points là. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, j'ai 8 points à démonter. J'ai déjà fait une erreur. Mais j'ai un problème, c'est que ma lampe loupe ici, elle commence à déconner, mais bien. Vous savez, elle s'allume, elle baisse, elle s'allume, elle baisse, elle s'allume, elle baisse. Et c'est les lampes où il y a. Je l'avais acheté à la maison du canevas et on ne peut pas changer le. Enfin, ils disent qu'on ne peut pas, mais il y a des vis. Donc, je pense que je peux quand même trouver le cercle d'ampoule. Maison du canevas, ils disent non, c'est pas possible, mais ça, c'est pour revendre une lampe entière. Hein. Donc, il faut que j'essaye de voir pour retrouver le cercle de. Enfin, c'est pas des néons, mais enfin. Comment on peut dire? Enfin, la lampe elle-même, c'est une lampe, mais en forme de cercle. Parce que là, elle commence vraiment à partir en vrille. Et du coup, quand elle s'affaiblit, ben moi je vois plus rien parce que ben mes yeux s'affaiblissent aussi. Et ça me fait que je me plante dans la broderie. Voilà. Donc là, j'ai 5-6 points déjà enlevés. C'est pour ça que je n'ai pas été plus loin tout de suite. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vais les démonter, puis je vais le refaire. Voilà. Là, j'ai déjà tous mes fils, hein, de toute façon. Je ne sais pas où je les ai mis, tiens. J'ai mis où mes fils? Ah oui, si. Attendez. Ouais, je ne sais même plus où j'ai mis. J'ai plus mes fils. Assez fort. Qui est plus fort que le Roquefort. Ah si. Là-dedans. Alors ça, c'est une trousse de toilette. Vous savez, les trousses de toilette qu'on a gratos à Yves Rocher. Ça sert, hein.
Alors voilà. Donc voilà mes fils pour cette broderie, voilà, que j'ai mis sur des anneaux. Et je me sers en même temps. C'est pour ça que j'ai pris cette trousse-là, de ce trieur, parce que je mets plusieurs aiguilles. Je brode avec plusieurs aiguilles là, parce que il y a beaucoup de couleurs mélangées, on va dire un peu en confetti. Et donc voilà, j'ai commencé à préparer plusieurs aiguilles, vous voyez. Voilà, on voit mieux là. Voilà. Et là, j'ai marqué toutes mes références au milieu. Donc, je me sers de ça pour cette broderie-là. Et pour ça, je mets tout là-dedans, comme ça. Ben, je perds pas les aiguilles que j'ai mis dessus, surtout. Et donc là, celle-là de broderie, elle va faire 40 sur 40 cm. Voilà. Alors normalement, bon, ça s'appelle tambour à broder. Mais moi, je ne sais pas si je ferai sur... je vais l'encadrer dans un tambour ou si je vais l'encadrer dans un cadre. Parce que j'aime pas beaucoup que ça reste... que ce soit pas protégé. Donc, on verra. Mais bon, le temps que ce soit brodé, on verra. Donc, voilà. Et là, vous voyez, j'ai mis le petit aimant aiguille que j'avais eu à la... chez Poussière d'Étoile. Ben, d'ailleurs, j'ai celle-là que j'avais mis. Celle-ci, voilà, quand même de chez Poussière d'Étoile. Et j'en ai un autre, ici. Alors, ça, c'est ce que je me sers pour mon sale à moi, le sampler des brodeuses, celui-là. C'est un peu mélangé, hein, aujourd'hui, ma... je l'ai mis où? Là, pour celui-là. Je me sers donc de mes grilles à moi et je les ai mises là-dessus, sur la feuille d'aimant aimanté de chez Action, vous voyez, avec et donc avec la règle, comme ça je peux la mettre et je vois où je suis, voilà, et après je stabilote. Bon là j'ai pas stabiloté parce que j'avais fait presque d'un coup celui-là. Et du coup, j'ai mis aussi un petit aimant aiguille. Comme là, celui-là, je ne le travaille pas avec un tambour. Ben, je peux poser mon aiguille ici. Voilà, ce petit lapin que j'ai aussi chez Poussière d'Étoile. Voilà. Mais c'est vraiment pratique, ça, en tout cas. J'avais acheté pour faire mes cartes. Puis en fin de compte, je ne m'en sers pas pour les cartes. Je m'en sers vraiment pour poser ma grille. Voilà. Grille de broderie. Donc voilà, mais je crois que... Hop. J'ai rien d'autre de commencer, je pense pas. Serait malheureux. Non. Sinon, moi, j'ai rien d'autre de prévu pour l'instant. Hein. On va être sage. Non. Là, ce que j'ai fait, je me suis fait des petites pochettes comme ça. Pareil, ça, c'est les pochettes de Yves Rocher. Dedans, alors ça, c'est pareil. C'est pour le. Alors, j'ai ma réserve de fil. Pour bah, toujours ma broderie à moi, donc celle-là. Hein. Donc j'ai la réserve de fil, j'ai mon découvite, si je me trompe.
J'ai ma petite paire de ciseaux, mais là, elle n'est pas dedans. Je ne sais plus où elle est. Et ça, c'était... Bah, celle-là, je m'en servais pour le petit renard. Mais du coup, le renard est fini. Donc, je vais m'en servir pour un autre maintenant. Je vais remettre pareil les fils pour faire. Bah, dedans, j'ai remis les fils justement pour la broderie d'Isabelle Vautier. Et j'avais déjà mis le orange. Hop. Et puis le marron. Et donc, il faut que je remette un découvite dedans, un petit ciseau. Voilà, c'est ce que je fais dans mes pochettes. Comme ça, moi, je ne cherche pas. J'ai une pochette. J'ai un crayon dedans. J'ai mon découvite, un ciseau, des fils que j'ai besoin. J'ai ma broderie. Et puis, au moins, j'ai tout dedans. Je n'ai pas besoin de chercher à droite, à gauche. Pour les petites broderies. Celles qui ont... voilà. Celles qui n'ont pas leur fil dans... Enfin, de toute façon... Là, dans la valisette, il n'y a que la HED hein, qui est dans la valisette pour l'instant. Là, pour l'instant, pareil, j'ai pas encore trouvé ce que j'allais mettre comme broderie sur la toile que j'ai eue la dernière fois là, sur la box hein, de poussière d'étoile. Je n'ai pas encore trouvé pour l'instant. Si jamais vous avez des idées... Vous voyez, je cherche encore, mais bon, c'est pas pressé. Et là, je m'étais descendue, ça c'était une boîte que je m'étais faite, c'est une des dernières boîtes, j'en ai plus, que je fais en cartonnage, je faisais en cartonnage. Donc là, c'était une Hello Kitty qui me restait. Vous voyez, hop, et dedans j'ai mis les fils spéciaux. Ben, du coup, il me restait dedans ben, les fils à poussière d'étoile, bien sûr. Voilà, hop, ceux-là, et les fils à soso que j'avais acheté la dernière fois. Je vous avais présenté dans Floustube la dernière fois. Vous voyez. Donc comme ça, je mets mes fils spéciaux là-dedans. Ils sont à l'abri de la lumière et de la poussière. Donc là, les fils que j'ai reçus aujourd'hui, je vais les mettre dedans. Et puis comme ça, je les ai à côté de moi aussi. Et puis si je veux m'en servir sur une broderie, ben, je les ai à portée de main. Donc voilà. Bon, des projets. On va dire qu'il n'y en a pas pour l'instant. Si, moi, le seul projet que j'ai, c'est ceux que je vous ai montrés, les Annie Cabrial. Donc, le premier que je ferai, c'est le... Comment il s'appelle? Je regarde. Hop. Celui-là, le colibri. Donc, ce sera celui-là. Mais là, j'ai pas les fils pour l'instant. Il faut que je m'achète les fils. Il est super beau celui-là. J'ai une fille qui je parle sur Instagram et qui est sur mon groupe, qui est en train de le faire justement aussi. Bah, je crois que c'est elle qui. Bah, oui, c'est elle qui m'a parlé des grilles d'Annie Cabrial. Et je la connaissais avant, hein, Annie Cabrial, mais bon, j'en entendais plus parler. Donc je croyais qu'elle avait terminé, qu'elle avait fini, qu'elle ne le faisait plus. Et donc c'est elle qui m'en a reparlé cette semaine. Et donc là, je vais faire celle-là. Et j'aime beaucoup. Et les autres, on verra plus tard. Hein, je ne sais pas. Mais celle-là, je l'aime beaucoup. Là, j'ai vu, elle a commencé. Ça fait vraiment très joli. Mais là, il faut que je me commande mes fils d'abord.
Donc, je vais voir avec les soldes là s'il y a une hiver broderie ou maison du canevas qui font des soldes en ce moment sur les fils. Mais bon, on verra. Parce que là, il m'en faut quand même une quarantaine. Et j'ai regardé dans ma réserve. Dans ma réserve, je n'ai que deux fils. Malgré tous les fils que j'ai, je n'en ai que deux qui correspondent. Donc, voilà. Mais bon. Bon. Ben écoutez, j'espère que ma petite vidéo, enfin petite façon de parler, cette vidéo, ce Floustube vous aura plu. Du coup, je ne sais pas le temps que j'ai mis là. Pour, là, j'ai 40 minutes, mais j'avais fait des coupures. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît également. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller voir en barre d'infos, donc les liens que je vous mets. Il y en a que je vous rajoute, que je vous mets en fixe également, hein, avec les codes promo, etc. Les parrainages. Là, je vais vous mettre les parrainages d'Annie Gabriel, code promo également pour Poussière d'étoiles. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Hein. C'est toujours, surtout par les temps qui courent, c'est toujours bon à prendre. Et puis, nous, on se retrouvera très rapidement. Donc, alors, prochain Floustube, je pense que je ferai qu'une fois par mois. Bah parce que il y a un peu moins de choses à parler avec la broderie, à moins qu'il y aurait vraiment de grosses choses nouvelles à vous dire. Mais le Floustube, ça, je pense le faire qu'une seule fois par mois, pour l'instant. Pour l'instant. Il y a aussi le podcast tricot. Bon, là pour l'instant, je crois que je sais plus si je vous l'ai fait une fois par mois ou une fois tous les 3 semaines. Je ne sais plus. Il faudrait que je calcule, que je regarde les dates. Mais bon, j'espère que ça vous plaît en tout cas que je fasse ça. On m'a dit aussi les vlogs. Mais bon, les vlogs, faudrait que j'ai du contenu pour faire des vlogs. Enfin, bon, je réfléchis. Je vois comment. C'est vrai que moi, les vlogs, c'est plus compliqué. Je filme pas devant Chouchou. Et il est toujours avec moi, comme il est à la retraite maintenant. Donc, il est toujours avec moi. Hein, on est ensemble H24. Donc, je ne filme jamais devant lui. Enfin, quand je dois parler, je veux dire. J'aime pas. Faire des vlogs, c'est plus compliqué, je sais pas. Bon, il faut que je vois. Déjà, bon, faire les Floustube, les podcasts, c'est déjà bien pour l'instant. Et puis, il y a toutes les autres vidéos aussi. Voilà. Et si on est au mois de juillet, donc il va y avoir l'anniversaire de la chaîne. Donc il faudra, on va pas oublier ça. Donc on va fêter les 6 ans de la chaîne. Voilà, donc soyez au taquet, surveillez bien, il va y avoir des choses. Voilà, allez, maintenant je vous laisse. Parce qu'il est 23h30, le temps que je vide mon téléphone. Je ne ferai pas le montage ce soir, je vais le faire demain matin. Donc, je vous mettrai la vidéo demain matin, enfin, ou plus tard demain midi sur la chaîne, oui, sur la chaîne. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et j'attends tous vos commentaires. À bientôt. Bisous, bisous.